Et salut la team YouTube, j'espère que vous allez bien. Vidéo Dokkan Battle parce qu'il y a un nouveau portail qui est sorti, le Gohan Piccolo de la saga Namek, du coup LR, nouveau portail légendaire hein, du coup. Donc les pièces, c'est pièces jaunes, c'est ça, jaune. Donc c'est pas les meilleures pièces, mais le perso quand même est assez sympathique. Il permet de donner un vrai up à la team Namek, notamment Saga Namek, et avec d'autres persos du style certains Piccolo et tout, ben voilà, ça se match très très bien. Concernant le portail, il a combien de Ginyu et de Gohan, donc c'est des bons LR en soi. Hein. Voilà, Gohan sympa avec le trio et tout, voilà, il est très fort. Le Ginyu, ben, en team Ginyu, il est invincible, le mec, il est incroyable en team Ginyu. Mais du coup, c'est que avec ce genre de team qu'il est très fort. Dans d'autres teams, après, il perd pas mal d'aspects de son passif. Donc, bon, ça le limite un peu. Et après, c'est. Voilà, c'est moins ouf. Hein. On va pas se mentir. Même si lui, il a eu son TUR et tout. Ça reste pas non plus folichon. Donc, bien évidemment, pour les free-to-play, etc., je vous conseille de skip. Parce que il y a des choses bien meilleures qui vont arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Et pour les cash players, ben, comme d'hab, hein, vous faites ce que vous voulez. Du coup, nous, là, je suis pas avec mon compte principal, je suis avec le compte secondaire de la commune, hein, avec lequel on utilisait lorsqu'il y avait la roulette, etc. D'ailleurs, je vais la remettre un peu, peut-être la roulette, vu qu'il y a des nouveaux portails. Et donc je vais tenter ma chance sur ce compte parce qu'il est très 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 chanceux ce compte les gars. Donc pour le moment on pète un LR dans le petit cycle qu'on va faire. Donc là le cycle c'est quoi? Au bout de deux multis c'est un détecteur garanti j'imagine, quelque chose comme ça. Donc on est parti, première multi, je compte sur toi pour mettre le pouce bleu, le commentaire, le follow comme d'habitude la team Dokkan. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de vidéo, donc faut donner de la ce fort. Première multi. Voilà. D'un côté, chaque multi éclaté, je me dirais, yes, c'est pas sur mon compte principal que ça se déroule. Parce que là, ça fait peur. Hein. Ça fait bien, bien peur. Ah! Ah! Quand même! Quand même, quand même! À tout moment, il se passe un truc, les gars. Ok, bon, beau Jacques. Ouais, il se passe un truc, quoi. Il se passe beaucoup de trucs. C'est quoi ça? Ah, et un détecteur. Nail. Nail. Ok. Ça, tu dis, tu drops un détecteur, mais voilà la gueule du détecteur. Hein. Le genre de perso que tu vas pas jouer. Bah, en soi, voilà, tu le mets avec le Gohan, le nouveau Gohan, Piccolo, ben bah, voilà, ça se matche bien, mais bon. C'est pas ce qu'on veut. Allez, une animation là pour un LR, s'il te plaît. Oh. Non. Pourquoi fais-tu ça, oh? Allez, est-ce qu'il y a une tombée du camion? On ne sait jamais. Si c'était le SSR, j'aurais été content. Ok. Ok. Pas de switch. Pas de switch. Ah, Gotenks. Ça fera deux SSR dans la multi. Et on termine cette multi avec. Garlic Junior. Ok. Donc là, les gars, si. Voilà, le but de cette vidéo, c'est que ça ne vous donne pas envie d'invoquer. Ok? Là, moi, je sais qu'au moins ça me vaccine contre la tentation de tenter ma chance sur mon compte principal. Et si ça peut vous faire ce même effet, les gars, j'aurais gagné, j'aurais. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment que ça vous donne pas envie d'invoquer. Ok? Parce que regardez ce que vous aurez, les gars. Vous aurez ça si vous invoquez. Donc faites gaffe. La dernière multi. Attends, il n'y avait pas un truc là? Ah voilà. Un personnage SSR en vedette garantie.
Donc c'est là que tout va se jouer. Est-ce que la vidéo va être une réussite sur le drop ou est-ce que ça va être un flop jusqu'au bout? C'est maintenant, les amis. Let's go. Allez, moi j'ai pas d'anime qui nous garantisse. Ah, dommage. Dommage, Beerus il a combien de deux persos donc ça ne garantit pas l'animation avec Whis. Ni le. Oh là là, ça va être même pas un LR s'il faut les gars, ça veut dire. Oh là 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 là. Ça sera même pas un LR à tout le monde, ça va être du Nail, Goku Namek là, Goku Nordax. Toutes ces merdes qu'il faut. Et là, c'est vraiment le flop ultime si c'est ça. Ok, bon, le Gohan. Allez. Pourquoi pas? Allez, ça prend. Ça va, ça va, ça va. On prend. On prend le Gohan. Tu mets un double LR, je suis très content. Come on. Ah! Il est détecteur lui aussi, les gars. Dommage, Great Saiyan Mind SSJ2. On aurait pu avoir double LR, les gars, avec le dernier perso. Parce que je crois que le perso vedette garanti, c'est la 10e position. Donc là, le Gohan, limite, c'était du bonus, tu vois. C'est dommage. Ok. Bon. Voilà, je vous. Même pour ceux qui ont beaucoup de DS, grand max, les gars, voilà. Un cycle, mettez 150 DS pour ceux qui ont énormément de DS. Mais quand je dis énormément, c'est genre vous en avez 900 ou plus. En dessous, gardez, hein, je vous le dis. Hein. Parce que déjà, je sais que certains d'entre vous, vous risquez de craquer lorsqu'il y aura SBDH. Après, bah, y a le portail de Noël, etc. Il y aura quelques Dokkan Fest par-ci, par-là. Du coup, c'est pas évident, ça va pas être évident de bien garder toutes ces DS hein, d'ici les 10 ans du jeu qui seront fin janvier, début février. Donc voilà pour cette vidéo. Invocation, les amis, j'espère qu'elle vous a plu en tout cas. N'hésite pas, comme d'habitude, à lâcher le pouce bleu, le commentaire, le follow. Nous, on se retrouve cet après-midi en stream, un peu de Dokkan, un peu de Sparking Zero. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si vous jouez toujours autant à Dokkan ou si vous êtes un peu en mode période creuse hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Donc voilà. Et est-ce que vous jouez à Sparking Zero aussi? N'hésitez pas à me le dire, les gars. Des bisous à la team YouTube. Ciao, ciao.